Qui es-tu fatiguant? Alors, Réal, oui. Nous, on est derrière toi. Je pense que tu vas être servi parce que tu vas être déstabilisé avec ce qui t'attend à l'autre côté. On te souhaite bonne chance. Tu pensais entrer là, hein? Ben, je sais pas, j'attendais le cue. Ah oui, tu pensais entrer là. Tu n'entreras pas par la porte. Ben là! Tu t'en vas en arrière et on va te prendre en charge, Réal. Une catapulte, toute là? Oh oui, attention. C'est parti! Amusez-vous! Dieu merci, monsieur Lajoie, vous avez pas encore sauté. Non, non, j'ai travaillé, par exemple. Je suis le lieutenant Coulombe, là. Je suis là pour vous aider, hein. Restez calme, hein. Ah, je suis très calme. Y'a pas de danger. Je suis d'un calme, je suis très détendu. Mais monsieur Lajoie... Comme un vertige. Monsieur Lajoie, vous... Oh! Oh, oh. Vous êtes le plus grand jovialiste du Québec. Qu'est-ce qui vous prend? Y'a personne qui me croit. Je leur dis que la vie est belle, personne ne me croit, c'est pas vrai. La vie est magnifique. Il faut la vivre jusqu'au bout. Et en descendant, mourir jusqu'à ce que je m'effoie la face sur le trottoir. Je me crois plus moi-même. Comprends-tu? J'ai perdu la flamme du jovialisme. Je me suis rendu compte à quel point des fois la vie est proche, est tough et dure. Et depuis ce temps-là, j'ai un doute. Et ce doute-là m'attire vers le vide, tu comprends? Oh, mais c'est pas une raison pour sauter, ça. Non, c'est sûr, c'est pas une raison. Je peux en trouver une autre, là, mais... Oh mon Dieu! Tire ta mère! Ça, c'en est une maudite bonne raison de sauter en bas! Non! Tire ta mère que tu feras pas ça, mon gars! Maman, laisse-moi tranquille, sinon je saute! Non! Pourquoi tu veux faire ça? Parce que tu m'as mis au monde! Je comprends pas! Hier, tu m'as dit que t'aurais trois bonnes raisons à m'annoncer aujourd'hui! T'étais tout énervé! Qu'est-ce que c'était? Ben, je devais me marier! Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que ma femme est enceinte. La troisième, c'est que c'était une surprise pour toi. Mais je t'ai pas nommé la quatrième. La quatrième, c'est qu'elle est enceinte, oui, mais pas de moi. C'est pas vrai quand même. Puis on se mariera pas. Oh. Ça a scrappé ma vie. Je l'avais choisi à ton image et à ta ressemblance, maman. Oh. Les femmes me déçoivent. Je vais tomber sur la tête. Oh. Je m'excuse. Maman, saute avec moi! On saute! On va sauter! Ma permanente! Monsieur Lajoie, pour que je puisse... Appelez plus, monsieur Lajoie, il n'est pas joyeux pantoute! Monsieur! Oui, monsieur, c'est bon! Monsieur, pour que je puisse vraiment vous aider, là, il faut que vous m'expliquiez ce que vous faites avec un tutu de ballerine! Mais oui! Ça, c'est pour avoir le temps de descendre lentement. Point de temps que je sois supporté pour que j'aie le temps encore une fois de cracher à la face du monde mon mépris et ma douleur. Et j'espère même des fois que je pourrais voler. D'un coup, je vole. J'essaie-tu, moi? Non, d'un coup, je vole. Non, OK, je me concentre, puis je vais voler. Non! Je vole! Ah! Ah! C'est assez hot! Ça marche! Long, mais sur l'air! Hein? Ça t'embauche un coin, ça, mon espèce de tout petit côté! Je suis soufflé! Ça veut dire que je suis la Sainte Vierge? Oh, exagère pas! Mon père m'a parlé de ce que t'étais avant qu'il te connaisse. T'as rien d'une vierge! Je voulais mourir, mais là. Je vais monter au ciel direct. Avant de mourir, je vais aller te parler dans la face, moi, ce barbu-là! Je dois dire que sa place, c'est moi qui la veux. Je veux être Dieu. C'est-tu clair, maman? C'est pas pire, ça, hein? C'est pas pire. Ouais. Jean-Marie, parlant de pas pire, tu m'as laissé... Jean-Marie? Oui? C'est la première fois, maman, que tu m'appelles Jean-Marie. Ben voyons, d'habitude, je t'appelle Fiston, mais Jean-Marie, ça fait pareil. Tu m'as jamais dit mon prénom. J'ai jamais su que je m'appelais Jean-Marie. C'est la première fois que j'entends parler de Jean-Marie. Je peux bien être fucké. Jean pour Jean-Baptiste, Marie pour Marie la Vierge. Voyons, mes lunettes, ils ont même pas de verre! Pourquoi mes lunettes, ma vie, c'est de la merde! Ma vie, c'est...
encore là, monsieur Lajoie, vous me reconnaissez? Je suis le président de votre fan club, les heureux, toujours contents. Vous êtes mon idole. Vous dites toujours qu'il y a du positif dans toutes les actions qu'on fait. Il doit pas avoir un bon côté dans le fait de sauter. Si tu continues, c'est moi qui te sac en bas tout de suite. C'est pas vrai, on fait que tu te réveilles. Là, tu des verres dans tes lunettes, toi. Non. Passe-moi ça. Réal Bossé! Oh, impressionnant, Réal. Oui, mais j'ai oublié mon défi, Beaucave. Oh! Hey! Mais là! Est-ce que tu peux nous en faire au moins un extrait, peut-être, du défi, juste pour voir ce ben qu'on oui. a manqué? Ben oui, il est là, mon micro, là? Ouais. Le gars des sons, là, il est en train de se saigner les oreilles. Non, mais Réal, vraiment en dehors du défi que tu as oublié... Ouais. Ben, je suis en train de mourir. C'est quand même pas simple là, de se rappeler de ça. Non. C'était impressionnant parce que moi, je trouvais ce sketch-là très difficile à faire et tu l'as vraiment réalisé avec brio. Mais merci. Félicitations. Mais... Réal... Que vaut mon commentaire? Parce que c'est pas moi qui décide. Oui, c'est lui, là. C'est lui, là. C'est Gaston Lepage. Est-ce que je t'ai déjà dit que t'étais génial, toi? Oui, mais on était tout nus dans un lit. Tu veux vraiment comprendre ça? Non, écoute, quel beau moment on a passé. C'est absolument extraordinaire, la facilité avec laquelle tu jongles avec tout ce qu'on te propose. Soit c'est incroyable. Félicitations pour, ça me fait plaisir. Pour le bravo, sketch. Bravo, Réal Bossé. Incroyable. Oh, ça commence bien notre soirée, ça. Hein? Oui. Voyons voir ce que tes collègues vont faire. On s'arrête un instant, mais ne vous inquiétez pas. On est de retour tout de suite après la pause. Bougez pas. Merci à vous.